Allô tout le monde! Aujourd'hui, dans les dégustations de produits keto, j'ai la chance d'avoir du ragoût version keto. C'est mon amoureux, Mario, ici présent, qui a eu l'initiative de faire la recette de ragoût de pâte de cochon, c'est ça? Mm-hmm. De Ricardo. Fait que comme j'ai une alimentation faible en glucides, ben il a pensé à faire la version faible en glucides avec des petites variantes. Donc, pour les boulettes, on avait besoin de chapelure de blé, donc il l'a remplacé par de la couenne de porc pour faire les belles petites boulettes. Les belles petites boulettes, dit-elle. Que voici. Puis pour ce qui est pour que le bouillon soit onctueux, normalement on aurait pris de la farine de blé, mais là il l'a remplacé par de la gomme de xanthane, 2 cuillères à thé. Donc, la gomme de xanthane, là, ça sert de liant, puis il n'y a pas de glucides là-dedans. Mais en fait, il y en a, mais c'est totalement déductible à cause des fibres. Alors, on va faire le test de goût. Tu mm-hmm. goûtes en premier ou je goûte? Je peux le goûter. Il goûte en premier. OK, alors approche. OK, test de goût. On n'a pas choisi le plus gros plat, hein. Go! Qu'est-ce que ça goûte? Ça goûte le bon ragoût de boulette. C'est très, très bon. Ouais? Fait qu'on aime Ricardo. Ouais. Ça, c'est le genre. Ouais. Ça aussi. OK. Bon. Très, très bon. Bon, je vais goûter. Regardez ça, comment la petite sauce est vraiment onctueuse puis tout, là. OK. Test de goût. Ouais, ça goûte vraiment le goût. Clou de girofle puis tout, là. OK, puis là, moi aussi, il faut que je goûte au genre, hein. Je me sacrifie vraiment beaucoup. Je rajouterais peut-être juste un petit peu plus de sel, mais c'est vraiment, vraiment délicieux. Je peux pas vous mettre la recette à part en commentaire, fait que c'est le ragoût de... C'est quoi, Le ragoût de boulette et de pâte de cochon de Ricardo. Ouais, fait que vous pouvez le googler, puis vous m'en donnerez des nouvelles si vous l'essayez, mais c'est vraiment très bon. Alors, si t'as aimé mon petit vidéo, je t'invite à t'abonner pour d'autres belles découvertes. Bye! Bye bye!